Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous capables de rejoindre encore avec moment de prière que nous gagnons dans l'émission à travers la Bible. Nous disons Dieu merci, nous sommes capables de lever, nous sommes capables de debout, nous sommes capables là encore. C'est ce travail, mon Dieu, lui-même, les cafés. Donc, maintenant, nous sentons bien nécessité pour confier à mon Dieu davantage, pour dire merci et pour songer ce qu'il a fait pour nous, ça l'a accepté pour nous. Il était un droit pas accepter lui, il était un droit pas faire lui, mais il a accepté pour moi-même, avec vous-même, pour nous capables de gagner accès. Dans la présence de lui, pour nous réconcilier avec lui, pour nous parler avec lui, là nous avons des problèmes, là nous avons des souffrances, là nous avons tous les soucis qui ont traversé nous. Donc, il est venu pour nous montrer nous, il est là, il n'est pas invisible, il n'est pas seulement dans l'esprit, il n'est pas seulement dans le nuage, il est là, il est en réalité. Il m'a trouvé ce monde qui a compris le problème, qui est capable de bien résoudre le problème et tout. Et selon les paroles, on nous lit un texte dans Matthieu ou en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, c'est là nous joignons sujet, un texte qui pourrait aider nous pour nous réfléchir. Et c'est chapitre 10, verset 32, et verset 34, Marc 10, verset 32 à 34, il dit, ils étaient en chemin pour remonter à Jérusalem, et Jésus allait, et devant eux, les disciples étaient troublés, et le suivit avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui et le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Voilà. Donc, c'est Jésus qui a pu raconter tout ça qui pourrait arriver, lui. Tout ça qui pourrait arriver, lui. Tout ça qui pourrait le faire, lui. Et qui est-ce qui pourrait le faire, lui? À qui est-ce qui pourrait le servir? Il dit les principaux sacrificateurs et scribes. Mon zayo sacrificateur, c'est comme ça tu as dit, je dis, c'est pasteur évangélique, monde qui est responsable l'église, monde qui est responsable, qui a cité nom, bon Dieu, qui a prié, qui a fait service, qui a fait messe, qui a fait toute cérémonie ou orienter peuple, enseigner peuple au sujet de Dieu. C'est eux-mêmes, scribes eux-mêmes qui savent être fait, c'est eux-mêmes qui ont écrit la loi, c'est eux-mêmes qui ont recopié, qui ont veillé sur la loi pour rien pas sortir là-dedans. C'est eux-mêmes, c'est le monde qui représentait bon Dieu, même oui, sur la terre, oui. C'est eux qui ont les 10 commandements pour enseigner, pour faire pratiquer, pour faire respecter lui. C'est eux-mêmes qui pourraient arrêter Jésus et qui pourraient condamner lui à mort, qui pourraient livrer
bay païen et païen yo nan epok sa, et bien pou jouchou, c'était les Romains, soldats Romains yo qui étaient occupés yo, et c'est deux groupes ça qui mettent ensemble, qui crucifiaient Jésus, qui maltraitaient. Donc Jésus ouais ça à l'avance, dit qu'on aime, il dit yo pral moquer lui, yo pral cracher sur lui, yo pral battre lui avec verge. Et il a fait mourir. Et il dit, mais après 3 jours, il va lever, sortir vivant dans la mort. Il connaît toute bagaille. Il voit toute bagaille. Et ça qui est frappant, ça qui est important dans ça, c'est que ça le dit, il arrive exactement Jean le dit là. C'est pas monde qui a voulu monter, dit, eh bien, un tel Raïm, un tel réussite, c'est parce que Raïm, il va faire ça, il va parler, et puis ça va arriver. Et dans le jour, ça, vous songez, et dans telle date passée, semaine passée, il y a un président, le président Donald Trump, il mettait un tweet. Et sous masse média, sous média, les mettez et toute ça dit, et m'a dit si je vais l'arrêter. Et puis m'a dit, bah, si on va arrêter. Et tant va, c'est juste l'autre semaine encore, je vais relire pour faire lire et faire quelques déclarations. Il n'est pas exact dans ça de dire. Mais Jésus, il dit bagayo exactement. Et il arrivait, Jean ouvert. Et ça, bon, moins assurance pour dire au matin, bon Dieu connaît le problème, et il est capable de résoudre. Jésus connaît le problème à l'avance, et il a le pouvoir, il a la capacité, il a la volonté, il remet ça, il remet faire, il remet pour aider ou pour porter solution à problème. Il connaît, et je dis, on a besoin d'assurance, on a besoin de croire que bon Dieu connaît le problème, il voit le problème, il connaît, il capable résoudre. Et c'est ça qu'elle devine quand elle partage ça avec elle. Parce que si vous pas choisi pour venir côté elle, il pas faire rien pour vous, il pas qu'à faire parce que il respecte. C'est pour adresser à lui-même. C'est peut-être ça, nous avons un moment de prière ça, pour nous adresser à mon Dieu. Même changer, c'était ouais, tout bagaille qui pourrait arriver, et ça, il va le faire, et il pourra le faire pour accomplir la parole, mon Dieu. Eh bien, je tiens les ouais problèmes, les connaît, ça va traverser. Et Marie, ou capable de comprendre, madame, ou pas comprendre, maman, ou pas comprendre, petite, ou pas comprendre, gouvernement, ou pas comprendre, patron, ou pas comprendre ça. Ou pas besoin de forcer, ou comprendre, ou pas comprendre, ça va passer. Il peut imaginer quelque chose, mais Jésus connaît tout bagaille. Il est capable de tout là. On doit aller dans la prière devant lui avec certitude, avec assurance que bon Dieu ouais le problème, il connaît le problème, et puis il a résolu. Soit adressé à Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, le bon repos, sauf une côté. Là, nous allons avec nous-mêmes en prière. Seigneur, nous te remercions en pile pour qui est souillé, où c'est Dieu omniscient, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Avait dit, c'est Dieu qui voit toute bagaille là, c'est Dieu qui connaît toute bagaille là, c'est Dieu qui a fait toute bagaille, qui a résolu
tout problème, n'importe nature lié. Nous comptons ça et ça bat nos assurances, parole ou bat nos assurances. J'entends, ouais, tout bagaille, ou bien pour arrêter, ou bien pour cracher sur vous, pas de courir, cacher, pour cracher, ou pas de tomber sur vous. J'en nous-mêmes, nous t'as senti, nous estomaqué, nous t'as fâché, et le monde cracher sur nous. Et nous-mêmes, nous t'as accepté, ouais, nous allons venir, nous connaissons, nous allons venir, nous accepter, nous t'as sauvé, nous, pour capable d'exaucer prière, nous. Dieu merci en pile nous prier kounya pour tout monde qui gen problème dans famille dans santé dans petit dans mari dans madame dans pays nous connons ou gen pouvoir sur tout bagay sur toute la terre nous connons capable résoudre ça gen monde qui besoin travail gen monde qui besoin papier gen monde qui besoin passeport gen monde qui besoin n'importe bagay santé besoin Seigneur Dieu nous connons capable ouè yo ou connais yo et ou gen pouvoir pour guérir pour aider pour porter solution à problème yo nous remettre yo la main. Nous devons fortifier, qui est quoi le rendez-vous, je dis, qui est capable de voyager, ou pas comme ça pour faire, qui est sur route, kidnappé, je dis, couvrir, Seigneur Dieu, tout puissant, pour être capable de passer la journée bien sous protection, Seigneur Dieu, et nous pouvons aller dans la base, kidnappé, et nous connaissons qu'à toucher, nous prenons rien, ou pas gain, pas gain monde qui est capable de bloquer, nous connaissons qu'à toucher cœur, déposer les âmes pour être capable de choisir pour vivre, Seigneur, parce que route ça que vous prenez, il y a pour finir mal, il y a pour finir mal, Seigneur Dieu tout puissant, il y a pour finir mal, et ça fait longtemps, Monsieur Trump a courir à droite à gauche et faire utiliser l'argent le pouvoir li par l'effort mais je dis Seigneur Dieu la justice obligé relire Seigneur Dieu au lieu obligé prend avion pour venir pour répondre question pour prendre photo li au Seigneur fait moun ka fait mal yo comprendre ça fait moun ka kidnapper moun yo comprendre ça grand jour pour arriver yo pour honte. Un jour pour arriver, ou à l'honte, et pour le saisir, Seigneur Dieu le puissant, et pour le finir dans la prison, et pour finir dans la mort. Nous allons toucher avant qu'il soit trop tard, et pour prendre une décision pour le servir, pour abandonner la route, sa pratique, sa pour choisir, pour servir. Et nous prions pour tous les jeunes, Seigneur Dieu, Dieu, protéger, pour les gens qui sont dans une zone de guerre, soldats, prisonniers. Seigneur Dieu, mon chemin solutionné, regardez maman qui a tristé, maman et aux parents qui est triste, qui a souffri, d'ailleurs, petit, tu as pratiqué une série de bagailles difficiles. Regardez-nous, nous disons merci pour le sacrifice que tu as fait, merci pour toutes les bagailles, Seigneur, merci. Nous prions, Seigneur Dieu, pour l'émission à travers la Bible, la TV, nous prions pour la fondation Bethléem. Fondation évangélique internationale Bethléem, nous prions Seigneur Dieu pour Sarepta, nous prions Seigneur Dieu pour Inam, nous prions Seigneur Dieu puissant pour Bethel Harvest, nous prions Seigneur Dieu avec l'église baptiste évangélique haïtienne de Brockton, nous prions Seigneur pour toute l'église qui a prévenu pour chanter louange, un jour ça pour adorer Seigneur Dieu, pour tout merci. Merci pour le sacrifice que tu fais. Merci parce que qu'on a besoin de nous. Pour tes travail, pour sauver, nous exalter, non, nous magnifier, non. Merci, merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous assurer que le Seigneur pourra faire quelque chose pour même un Seigneur ressuscité qui vivant au siècle des siècles pour agir pour vous-même. Nous continuer à faire confiance dans l'occasion ça. Nous vous souhaiter une bonne journée, bon courage dans le Seigneur, pas oublier et partager eh bien voice partager lui-même faire l'autre chose tendre et ça Jésus qui a fait ça bon Dieu nous a fait pour nous-mêmes. Bon Dieu comprendre problème yo, bon Dieu ouais problème yo et bon Dieu capable résoudre problème là. Donc partagez, remen et continuez à écouter lecture.
que nous gagnons avec Madame Chino dans l'émission à travers la Bible. Et parole, bon Dieu, capable de nourrir, fortifier, bah, aux certitudes. Pourquoi? Bah, bon Dieu, qui est capable d'aider. Bonne journée, c'était Pasteur Louda Saint-Vincent et qui était là pour servir. Souhaitez que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.